Salut à tous. Alors tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne si vous venez d'arriver et qu'on ne se connaît pas encore. Et big up à toute ma commu qui me suit depuis maintenant 10 ans. Alors je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu qui suis-je. Qui suis-je, où vais-je, où cours-je, tout ça. Donc, alors moi c'est Bilou, Biloulette. Alors oui, je sais, vous pouvez vous marrer parce que en fait c'est vrai que si j'avais su un jour que ma chaîne marcherait, je pense que j'aurais choisi un autre pseudo, mais bon, que voulez-vous, la vie est ainsi faite. Et donc, en général, mes abos m'appellent Bilou. Ici, on se tutoie tous parce que en fait, quel que soit votre âge, il n'y a pas de raison. Si vous me vous voyez, moi je suis obligée de vous voyez. Et donc, voilà, comme ça m'emmerde en clair, voilà, je préfère le tutoiement, donc ici on se tutoie. Donc pour ceux qui me connaissent depuis un moment, la chaîne existe depuis 10 ans et j'ai commencé en fait par du gaming parce que voilà, si vous voulez, ça, je jouais, j'étais donc une gameuse à l'époque et je regardais pas mal de vidéos pour essayer d'apprendre à mieux jouer pour certains jeux, etc. Et ça m'a gavé de me rendre compte qu'en fait il n'y avait que des mecs qui faisaient des vidéos. Or, je savais qu'il y avait plein de nanas gameuses et des vieilles, puisque je suis apparue sur ce réseau YouTube à une époque où, bah, pareil, les vieux, on ne savait pas tellement que ça jouait. Et donc, j'ai décidé de faire des vidéos, voilà, juste pour dire, mais what the fuck, quoi. Il n'y a pas de raison, les nanas aussi, ça joue, et les vieilles, ça joue, donc je vais faire des vidéos. Eh bien écoutez, ça a marché, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment en fait. Et du coup, j'ai proposé un contenu pendant plusieurs années où je sortais une vidéo par jour, où je faisais plusieurs choses. Donc j'ai d'ailleurs organisé ma chaîne de façon à ce que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc je vous conseille d'aller voir les playlists. J'ai fait des playlists dans tout ce que moi je fais en solo. Donc vous y trouverez également ce qu'on appelle les canapés, qui sont des interviews que j'ai faites de gens, de youtubeurs. Vous y trouverez différentes choses que je fais en solo. Vous y trouverez tout ce que je fais avec ma copine, enfin tout ce que j'ai fait avec ma copine Louvie au niveau du gaming. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou au passage, ma Louvie. Donc tout ce que je fais avec Louvie, alias Louvinette. Tout ce que je fais également avec Elarcis et dans une autre playlist. Je te fais un gros bisou aussi au passage. Et puis ce que je fais avec ce que j'ai fait, pardon, avec tous mes potes de YouTube de l'époque, etc. Et pareil, big up à tout le monde. Donc, j'ai fait du gaming pendant quelques années. Et puis, il s'avère que pour des raisons personnelles, j'ai déménagé à Toulouse et que je ne pouvais plus du tout me permettre de publier des vidéos puisque j'ai eu des gros gros problèmes d'internet. Et puis, surtout, je dois dire que j'ai vraiment complètement changé de vie et que j'ai arrêté le gaming. Donc, en fait, j'ai fait une pause depuis 7 ans sur ma chaîne. Je suis revenue il y a un an, pendant un an, puisque on a fait avec Elarcis et Louvie des petites vidéos de gaming pour faire un coucou à mes abos. Je venais régulièrement comme ça, quand même leur faire des petits coucous. Donc, je leur ai republié des vidéos pendant un an, mais que j'avais tourné en fait en quelques mois. Et c'était pour que voilà, pour qu'ils aient un petit peu de mes nouvelles. Mais sinon, j'ai arrêté depuis 7 ans. Et si vous voulez, ma passion a toujours, toujours été les plantes. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont suivi, en l'occurrence sur Minecraft, moi, c'était la déco et les plantes que je faisais dans Minecraft beaucoup. Voilà, donc les plantes, c'est un truc qui m'anime depuis que j'ai 5 ans, puisque c'est venu avec ma grand-mère. Chez qui j'allais très souvent les mercredis, les week-ends, etc. Et qui m'a donc donné le virus des plantes. Et à partir du moment où je suis partie de chez mes parents très très tôt, et ben j'ai commencé à avoir des plantes et de plus en plus, etc. Alors, il y a eu des périodes où j'en ai eu un petit peu moins pour différentes raisons, mais voilà, ça ne m'a jamais quitté. Et si vous voulez, alors je suis donc j'ai pas fini la présentation, donc Biloulette, j'ai 54 ans, je suis célibataire avec un fils. Et si vous voulez, j'ai pas de bol parce que lui, les plantes, il en a mais rien à foutre. Mais alors juste à un point de dingue. Et je me disais, c'est con parce que j'ai acquis quand même on va pas dire une connaissance, mais j'ai acquis une connaissance sur les plantes. Et je me disais, purée, mais c'est pas vrai, c'est con de perdre ça. J'aimerais pouvoir le partager avec quelqu'un, etc. Et suite à des discussions, en l'occurrence avec ma grande sœur, j'ai décidé
de vous partager ça, d'essayer de faire des vidéos sur les plantes et de voir si ça pouvait vous intéresser. Et il s'avère que, bon, pour l'instant, c'est vrai que par rapport au nombre d'abonnés que j'ai, il y en a peu, finalement, puisqu'il y a peu de vues, il y en a peu qui s'intéressent aux plantes. Mais quand même, on va dire que vous êtes plus ou moins 1000 à suivre les vidéos à plus ou moins moyen terme. Et donc, ça me fait, mais alors vous imaginez pas, plaisir à quel point, parce que je peux parler du truc qui m'anime le plus, quoi, parce que vraiment, les plantes, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait respirer, c'est, enfin voilà. Voilà quoi, c'est ma passion quoi. Donc de savoir qu'il y a des gens que ça intéresse et qui suivent les vidéos, c'est voilà, c'est un vrai bonheur. Donc un grand merci à tous, que ce soit les anciens abonnés ou les nouveaux, de me suivre sur cette aventure. Et alors, pour le où cours-je et où vais-je, bah écoutez, j'aurais envie. Donc là, je vous propose deux types de vidéos, des vidéos type comment on rempote, comment on arrose, etc. Et puis des vidéos zoom sur les plantes. Donc où là, j'aborde vraiment les plantes avec plus de détails, chaque plante. Je vous propose également des plants tours, enfin j'en ai fait un, des hall plantes, ce qu'on appelle les hall plantes, donc quand il y a des nouvelles plantes qui rentrent. Et là, j'ai très envie de vous publier des vlogs. Alors, je sais pas si le premier sera sorti ou pas. Donc bon, comme je suis vieille vlog, j'espère que j'ai bien compris ce que c'était, mais d'après ce que j'ai compris, c'est un truc où on discute et où on montre différentes choses. Donc du coup, dans ce premier vlog, je vous montre différentes choses et j'aimerais pouvoir du coup y aborder aussi d'autres sujets. Donc pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours fait ça, puisque je faisais ce qu'on appelle des live papotes, que vous pouvez trouver également dans la playlist Bilou. Et ces live papotes, c'était parce que... Je reviens un peu en arrière. Le but, c'était donc de dire, mais les femmes existent et les vieilles existent. Et le but, c'était aussi d'essayer de partager avec les jeunes. J'ai toujours eu un bon feeling avec les jeunes. Et du coup, voilà, j'avais envie un petit peu de leur parler en tant que vieille, de tous les sujets d'actualité, de tout ce qui pouvait leur prendre la tête, les questions qu'ils pouvaient avoir dans l'existence, etc. Ce qui fait que j'avais mis en place des live papotes qui durait 12 heures, 13 heures, enfin, c'était un truc de dingue, et où donc il y avait ma commu qui venait, et puis il me posait des questions, j'y répondais, il y avait mes modos avec moi, puisque donc j'avais une team modo, coucou les modos au passage, et donc voilà, donc j'ai fait aussi beaucoup ça. Donc si vous voulez, cette chaîne, elle avait deux buts, le but principal étant vraiment de pouvoir discuter de sujets qui m'intéressent et qui, a priori, peuvent vous intéresser sur la chaîne. Donc, d'où les vlogs. Du coup, je me dis que ça pourrait être vraiment sympa d'aborder d'autres thèmes. Donc, je ne sais pas encore, je suis encore en train de réfléchir à comment je vais mettre ça en place. Mais voilà, j'avais envie également de vous proposer des vlogs. Alors sachez que bien que j'ai eu une activité très très développée à une époque, puisque j'ai fait partie il y a bien longtemps de ça, des grosses chaînes qui avaient beaucoup de vues, etc. Donc j'ai toujours répondu à mes commentaires, à mes mails, etc. Donc n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, j'y répondrai toujours. Alors un truc que je rajoute, je vous sors une vidéo tous les samedis matin à 11 h et a priori n'en attendez pas plus que une par semaine. Et la dernière chose, et oui la vieille est sur Instagram et sur TikTok, donc vous pouvez m'y suivre parce que là j'y publie des choses différentes, enfin des choses sur le même sujet, les mêmes sujets, mais ce ne sont pas les mêmes vidéos. Donc vous pouvez aller également sur ces deux supports et je suis quand même plutôt présente sur Twitter si vous voulez me suivre, vous avez tout sur la chaîne. Voilà. Donc, si à un moment je peux plus gérer, je vous le dirai à l'avance, mais ça fait partie des choses où j'estime que c'est le minimum de respect à avoir vis-à-vis de vous, parce que sans vous, j'existe pas. Donc, c'est le minimum, quoi. Donc, je réponds systématiquement aux commentaires. Donc, du coup, n'hésitez pas dans cette vidéo, si vous avez des trucs à me proposer, pas complètement farfelu, hein, en rapport avec ce que je viens de vous dire. Et pas de gaming, puisque je referai pas de gaming, sauf si un jour, avec Louvi, on a envie de se faire un délire, mais ne comptez plus sur du gaming. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me proposer des idées ou alors à me dire si certains de mes formats ça va pas, etc. Parce que, donc, j'essaie de vous faire des formats courts. N'hésitez pas à m'aider à m'améliorer dans ce que je fais. Je vais essayer de voir si je peux pas, d'une manière ou d'une autre,
J'ai un caméscope, il faudrait que je vois si je ne peux pas faire des doubles vues, c'est-à-dire que je puisse être en facecam tout le temps avec vous, même quand je rempote, et vous faire des doubles écrans avec le rempotage où on me voit faire, enfin avec les mains juste par exemple, et où en même temps je peux parler avec vous. Donc voilà, je vais essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous trouverez le contenu intéressant et que vous vous plairez dans notre communauté, parce qu'on forme une communauté avec mes abos et moi qui est vraiment très particulière sur YouTube. Il n'y en a pas beaucoup des comme la mienne, j'ai beaucoup de chance. Et donc, je suis sûre que pour tous les abonnés nouveaux, vous serez super bienvenus et super bien accueillis par tous mes abonnés qui sont extrêmement bienveillants. Donc, voilà, donc je vous fais des bisous à tous et écoutez, bienvenue et j'espère que vous allez vous éclater autant que moi. Bye bye tout le monde.